Bonjour, 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 je ne serai pas long, puisque je suis en même temps que vous, l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Nous avons tous les yeux rivés au niveau de l'aéroport international Félix Faure-Boigny pour suivre de près l'événement historique. Mais c'est malheureux de constater ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est regrettable de constater ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire, c'est une humiliation pour les forces de l'ordre et de sécurité. Ceux qui se disent les garants de l'intégrité physique de tout un citoyen. C'est regrettable de voir que des éléments des forces de l'ordre se croient supérieurs à la loi, violent la loi et se mettent à s'attaquer tout simplement à d'honnêtes citoyens qui n'aspirent qu'à une seule chose, aller assister, être des témoins historiques d'un événement historique en Côte d'Ivoire. Les éléments des forces de l'ordre, sans foi ni loi, à la sorte d'Ibrahim, fils et frère du président Ouattara, et aussi à la demande du ministre de la Sécurité, Vagondo, se livrent à une pratique un peu catholique. Des gens qui se disent que nous voulons la réconciliation. Lorsque nous sortions à l'époque pour dire que ça c'est de la fanfaronnade, ce n'est pas de la réalité, c'est de la marmaille, ils tendent la main mais derrière eux ils ont un couteau. Chris Yapi nous avait interpellés, Keïta a interpellé, on n'a pas écouté, on a fermé les yeux. Voilà aujourd'hui, des Ivoiriens sont attaqués, des Ivoiriens sont agressés, des Ivoiriens sont menacés sur le chemin tout simplement de l'aéroport. Je vous fais écouter tout simplement une bande audio. J'aurais pu ne pas sortir dans les médias, mais c'est la bande audio qui m'a fait sortir. J'ai même oublié de vous dire, Mikasa Soukassa, soyez les bienvenus, nous serons parlons peut-être 5 minutes. Écoutez un peu, vous allez être surpris. Écoutez, hein. Je vous permets de voir que c'est la réalité, c'était en direct, même pas 2 minutes. Je vais faire avancer juste pour vous permettre de bien comprendre. Voilà. Alors, vous comprenez, le ministre Kone Katina, ce n'est pas seulement lui, mais moi-même. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'aéroport, il y a une panique. On se demande s'il y a la guerre à Port-Boué. On se demande si les gens vont attaquer. Moi-même, je me pose la question, est-ce qu'ils ne vont pas faire irruption dans le pavillon présidentiel pour mitrailler tout le monde? Je me pose la question, est-ce qu'ils ne vont pas descendre à l'aéroport pour mitrailler tout le monde? Mais vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est quel bordel on organise dans ce pays? C'est quelle merde on organise dans ce pays? Mais pour qui se prennent ces gens-là? Mais c'est quelle merde ça? Ça, c'est quelle merde ça? Mais un monsieur qui a été acquitté, vous empêchez qu'il rentre dans son pays? Vous avez utilisé tous les moyens de l'État. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Maintenant, il rentre dans son pays. Depuis hier nuit, les policiers ont établi des barrages pour empêcher des cars d'entrer en Abidjan. Depuis hier nuit, des policiers ont établi des barrages dans les quartiers pour empêcher les hommes de sortir. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et où sommes-nous là? Mais, moi je l'ai dit, je l'ai dit, je dis une chose. Dieu vous laisse croire que vous êtes super fort.
Dieu vous laisse croire que vous êtes le plus fort, le plus dangereux, le champion, l'indéboulonnable. Dieu vous laisse monter au sommet de l'arbre. Et ensuite, il vous regarde droit dans les yeux et dit, c'est moi l'éternel Dieu, j'ai le dernier mot. Ensuite, il vous fait tomber et vous montre que c'est lui. Mais écoutez ça. Est-ce qu'on doit assister à ça? Un président avec son œil tordu, son nez tordu, sa gueule tordue, avec une intelligence maladive, ce maudit-là qui se dit, excusez-moi, mais je suis dans tous mes états, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut encourager ça? Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter, dites-moi, comment on peut accepter ça?